Les gardes du palais n'ont rien pu faire. Un chef d'État, aussi bien protégé soit-il, redevient un sujet comme les autres face aux accidents. Albert de Monaco en a fait les frais la semaine dernière, tombant lourdement dans les appartements privés du palais. Il était tout simplement en train de jouer avec ses deux jumeaux, Gabriella et Jacques, lorsqu'il a perdu l'équilibre. Branle-bas de combat chez les carabiniers qui avaient été alertés immédiatement car le prince avait du mal à se relever. Un accident finalement sans gravité. Le prince est simplement apparu en public 2 jours plus tard avec un pansement sur le menton. C'était lors du match de foot opposant la principauté au Stade Brestois. Un petit passage par les urgences entre-temps pour rassurer tout le monde.